Yo tout le monde, c'est Jivi Show, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Room Tour de K18. Alors ceci est ma deuxième chambre, c'est pas la même chambre que avant. Oui, je vais vous expliquer, car ici c'est la chambre, c'est ma chambre que j'ai chez mon père. Et l'autre chambre, c'est où que... C'est chez ma mère, voilà. Alors oui, je vis encore chez mes parents en attente d'avoir un appartement. Et bien sûr, le permis de conduire qui est en cours. Allez, je vous fais visiter ma chambre qui est chez mon père. Alors voici ma télé. Ma télé qui est grande. Là j'ai mis un truc. Oui, parce que c'est un truc avec le... C'est une application sur ma PS4 avec le casque VR. Alors j'ai mis ça parce que c'est le seul moyen que je peux allumer mon casque VR entièrement. Parce que si je reste dans la menu de la console, c'est que il y a que l'arrière qui s'allume. Voilà. Alors je remonte à la télé. Hop. Voilà, il est 4h27 du matin. Nous sommes le 2 janvier. Le mardi. Mardi 2 janvier. Et ça, c'est ma PlayStation caméra. Bien sûr. Et ça, c'est mes jeux Xbox 360. Sûr, hein. Voilà, je vais pas vous, tout vous montrer parce qu'il y en a plusieurs. Je l'ai pas avec moi la Xbox. Et voici ma fameuse console PlayStation 2. Ouais, c'est Stuart Little 3. Gran Turismo 4 à l'ancienne, Driver 3, Need for Speed Underground Room. Ah, j'ai pas tout ramené, mais j'ai ramené les jeux. J'ai eu ces deux-là à Noël, Call of Duty WW2, Need for Speed Payback. Il y a pas longtemps, je me suis acheté Resident Evil parce que on peut jouer avec la PlayStation VR. Je te dis, jouer à Resident Evil avec le casque VR, ça fout les jetons, surtout quand il y a une créature, un monstre qui te saute dessus. Allez, on passe au suivant. Ah, ma PS4 qui est là. Mes DVD. Ouais, j'ai toute la saison de Mentaliste, car je suis fan de cette série policière. Allez, on passe à la suite. Voilà, j'ai une forme d'étagère en skateboard où que je pose mes canettes énergisantes. Oui, j'en fais collection. Avec ma guitare à côté. Et les monsters sur l'autre étagère. Avec mon masque Anonymous. Mon drapeau américain, mes tableaux, mes cadres, je veux dire, guirlande, Spider-Man et Call of Duty Black Ops 3 en poster avec toutes les guirlandes qui s'allument. Et voici mon enceinte. Avec ma cigarette dessus, bien sûr. Enceinte, pas mal, hein, les stylés. Il n'y a que le devant qui est décoré, hein, sinon sur le côté, il n'y a rien. Voici, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il faut pas y toucher, c'est très très chaud. Et un beau truc pour poser mes produits de la cigarette électronique. Je fais un meilleur plan. Voilà.
c'est des lumières qui en dessous, ça décore, ça flash soit dans les bouteilles. C'est pas mal, qui m'a été offert par un ami qui est fan de la vapote. Je le remercie pour m'avoir offrir ce petit cadeau, ça m'a fait plaisir et je suis très reconnaissant. Mini lunette de caméra, ça c'est le chiffon pour essuyer à l'intérieur des lunettes VR. Bon, en dessous il y a mon portefeuille et ma carte d'identité, je vous le montre pas, tout cela reste anonyme. Voici mon drapeau de l'Angleterre. Et en dessous, toutes les collections de canettes que j'ai. Franchement, les boissons énergisantes, j'aime ça. Mais ça ne veut pas dire que j'en bois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, j'en bois par modération. Une bouteille de vodka. Et le coffret de Scorpio que ma mère m'a offert. Je te remercie très fort. Je t'aime maman. Je t'embrasse très fort. Ça, c'est mon drone. Bon, il est tellement petit qu'il est très sensible au vent. Parce que quand j'ai essayé dehors, laisse tomber. Je vais essayer de demain acheter une autre, un petit peu plus solide. Et comme ça, je vous partagerai la vidéo en hauteur. Ce sera bien, hein, ce sera cool. Voici quelques DVD que j'ai sous ma table de nuit. Il y en a derrière, mais bon, on va pas dévaliser. Voici mes jeux de Nintendo DS. Allez, oui, j'ai une DSi rouge. Que je vais vous la montrer dans quelques instants. Voilà, il est beau, hein, en rouge avec le sticker Batista. J'étais vraiment fan de catch. Donc là, ah, ça fait longtemps que je l'ai. En plus, il marche, hein. Tranquille. Hein. Bon, on va pas plus loin parce qu'il y a ma photo quand j'étais très jeune et j'ai pas envie de vous le montrer. Désolé. Et sans oublier aussi, j'avais aussi oublié que j'avais des jeux de PS3 qui traînaient sous le meuble de ma télé. Alors j'en ai derrière, j'en avais plein à cette époque-là. Même les jeux Xbox, hein, j'en ai plein aussi. Hein. Et à côté, bah, nous avons les accessoires, la manette de Xbox, la manette de PS4, de PS3, pardon. Et voilà. Et bah, maintenant, on va faire tout ça. Voici toutes mes DVD de catch. Alors, j'étais jeune quand j'ai acheté ça, mais vraiment, j'étais... Quand je vous dis que j'étais fan de catch, chaque mois, quand j'avais de l'argent de poche, j'allais chercher un DVD de catch à la maison de la presse. Il y en a plein, hein. En plus c'est une boîte rouge, bah, jusqu'au fond il y en a. Et on tire au hasard, on prend celle-là. Bon là ça fait longtemps que j'en ai plus acheté. J'ai arrêté, je suis passé à autre chose parce que... Je me suis dit, à force d'acheter, bah, je vais bien finir par être rouillé au niveau de l'argent. Et voici mon casque de la PS4. Alors de base, c'est un casque de PC. Et vu que bah, je me suis gouré dans la commande, car j'ai cru que c'était un casque qui pouvait aller sur la PS4. Alors du coup, bah, je l'ai acheté et... Et je pouvais pas le brancher parce que il manquait quelque chose. Alors du coup j'ai acheté un câble exprès qui se trouve juste ici.
Voilà, c'est un câble, tu branches ces deux fils ici. T'as juste à prendre le petit bout et le brancher sur la manette dans le petit trou qui est là et ça marche. Voilà. Il est beau en plus, il s'allume en orange. Néon orange, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et bien sûr, voici mon casque VR que mon père m'a offert pour mon cadeau de Noël. Je suis très très content. J'avais la joie. Dédicace à mon père, je t'embrasse très très fort. Et bien sûr, je t'aime. Même si je te le dis jamais. C'est sincère. Ah voilà, tu vois, c'est très très beau. On peut regarder aussi en arrière. Ça s'allume derrière. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Voilà. On voit comme ça à l'intérieur. Bon, je le mets mal, c'est normal, mais crois-moi, quand tu mets le casque, je ne suis plus du tout dans ma chambre. Je suis parti dans un autre monde. Imaginez. Oui, je suis parti à la plage. Là, t'es à la plage, t'es plus chez toi, là, t'es à la plage. Et je vous montre comment ça fait quand tu éteins la lumière dans ma chambre, chez mon père. Franchement, c'est pas mal, c'est beau, c'est très très beau. Mon casque dans le noir. Et mon casque VR. Même de derrière, ça s'allume. C'est joli. C'est joli, 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 joli. Voici la lumière noire. Ou que tous les couleurs qui flashent, bah, comme blanc par exemple, flashent très bien. Voici le guirlande que j'ai mis autour de mon lit. Ah, c'est sympa, c'est joli. C'est très 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 lumineux dans ma chambre, n'est-ce pas? C'est très beau, en tout cas. Et dans le noir, ça fait très bien. Eh bien, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi laquelle de ma chambre vous préférez, celui de chez ma mère ou celui de chez mon père. Celui-ci. Celui-ci, c'est de chez mon père, c'est celui-là. Alors dites-moi ce que vous préférez, laquelle est la plus belle entre les deux. Et puis voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. C'était JV Show. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.